Wow, la fille du président. Beyoncé. Comment ça la va, ma chérie? Comment tu Est-ce vas? Que tu peux le dire encore et encore. Lily, est-ce qu'avec moi tu peux être vraiment franche et honnête dans tout ce que tu me diras? Bien sûr. Penses-tu que je pourrais avoir une chance dans la politique et plus précisément dans le Parlement? À moins qu'il y ait une erreur, tu l'auras. Je ne blague pas. J'y pense depuis un temps. Mais je n'arrive pas à convaincre mon père. Pourtant, sans son appui, je n'y arriverai pas. Lily, le terrain est mauvais. La politique de ce pays ne tient vraiment plus sur ses deux pieds. On dirait que ça perd de plus en plus son importance. Et il faut quelqu'un comme moi pour remettre les choses à leur place. Dans ce cas, essaie de convaincre ton père. Parle-lui de tes ambitions. Explique-lui ta vision des choses. Et s'il ne veut pas t'écouter, alors utilise ton pouvoir de fille de président. Et cela, associé au pouvoir de la fille du président de l'Assemblée nationale que je suis, ça pourra marcher. C'est ça, la gauche, je te fais confiance. Hey. Mais tu devrais être prête pour demain si tu veux que nos projets réussissent. Lily, je suis prête, en plus que j'ai déjà l'accord de mon père. Tu sais, en politique, il faut investir plus que ça. Un peu comme l'ont fait la plupart des grands leaders comme Kwame Nkrumah, sans oublier les autres grands leaders d'Afrique, qui ont toujours su exprimer leurs ambitions et leurs idéologies politiques. Contrairement à tout ce que nous font vivre tous nos dirigeants de nos jours. Tu vois, si c'est aujourd'hui que j'ai décidé de m'ingérer dans la politique, c'est parce que je sens que je serai victorieuse. Et d'autre part, n'oublie pas que tu es en train de parler à un autre membre du Parlement. Ah, tu es sérieuse? Bien sûr. Ah oui, ma chérie, le pays a besoin la de toi. La tu vas me tuer, quoi. Mais vous prenez pour qui pour barrer la voie comme Donne-moi l'argent. Donne-moi cet argent. Donne-moi l'argent. Quel argent? Est-ce que ça va, monsieur? Dites-moi, est-ce que ça va? Pouvez-vous encore conduire? D'accord, calmez-vous. Je m'en vais chercher un taxi et puis on va vous transporter à l'hôpital. Restez calme, j'arrive, d'accord? S'il vous plaît, chauffeur, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
C'est une dame. Elle vient de sortir pour aller chercher. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'espère que vous avez amené votre rapport de police. Rapport de policier? Non. Je suis désolée. Le docteur ne peut pas s'occuper de lui sans le rapport de police. Alors je vous conseille d'aller au commissariat le plus proche, chercher un rapport de police, sinon il risque de mourir. Ah, vous voyez qu'il est en train de mourir et vous m'envoyez au commissariat chercher un rapport? C'est logique ce que vous me demandez. Jeune fille, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de lui donner les soins préliminaires. Alors allez chercher ces documents avant qu'il ne soit tard. Vous ne pouvez pas exiger cela dans ces circonstances-là. Voyez-vous-même, il est en train de mourir. Nous ne pouvons rien faire sans ce rapport. Alors comprenez-moi, je suis vraiment désolée. Donc si vous tenez à sa vie, allez chercher ce rapport. D'accord, s'il vous plaît. Indiquez-moi le commissariat le plus proche. C'est la première rue à droite, on sortons d'ici. Faites vite, madame, parce qu'elle est en train de mourir. Merci, madame. Agent Kodjo, venez là. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir, comment ça va? Bien, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai été envoyé par l'hôpital chercher un rapport de police qui servira à soigner un patient mourant. Un rapport de police pour qui? Pour un homme blessé par balle. Vous voulez parler d'un homme sur qui un policier a tiré, n'est-ce pas, madame? Est-ce que vous savez que c'est grave aux yeux de la loi? Non, monsieur l'agent, ce sont des criminels qui lui ont tiré dessus. J'ai vécu la scène après, je l'ai transporté à l'hôpital. Il est à présent couché à l'hôpital, attendant le rapport de police pour être soigné. Vous étiez là lorsque les criminels ont tiré sur lui? Oui, monsieur. Alors, où sont ces criminels? Ils se sont enfuis avec leur voiture. Ils se sont enfuis pour aller où? Ah, monsieur, comment je pourrais savoir ça? Dites-moi, madame, où est cet homme? Je vous ai dit qu'il est à l'hôpital. Mais vous étiez supposé l'amener d'abord ici au poste. Vous le savez, avant de l'amener pour des soins à l'hôpital. Nous ne pouvons délivrer aucun papier pour vous sans avoir pris le soin d'identifier la victime. Alors, madame, je vous conseille vivement d'aller le ramener ici d'abord, avant que nous ne puissions vous donner un document. Monsieur l'agent, je vous dis qu'un homme comme vous et moi a été tiré dessus par des criminels et qu'il est mourant à l'hôpital en attendant qu'un rapport de police, avant d'être soigné. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, le monsieur est en train de mourir. Il n'y a pas un moyen que je l'emmène ici et que je le ramène à l'hôpital. Il va mourir en route, c'est sûr. Écoutez, madame, je vous dis qu'en aucun cas on ne pourra vous donner un rapport sans avoir identifié la victime. C'est contraire à la loi. Alors, si je suis là, c'est pour veiller au respect de la loi. Alors, dans ce cas, suivez-moi, on va aller à l'hôpital et puis... Hé, fermez votre bouche. Vous croyez que vous allez venir ici nous apprendre notre travail? Écoutez, madame, si vous ne partez pas rapidement d'ici, je vous mettrai en cellule. Allez, disparaissez de là. Vous vous prenez pour qui même? Madame, ce monsieur risque de mourir ici. Hein? Il est en train de perdre beaucoup de sang. Je pense qu'on devrait s'occuper de lui. Mais vous voulez que moi je fasse quoi? Cet hôpital fonctionne suivant des règles. Et vous-même, vous le savez. Alors, si cette fille ne vient pas dans les 5 minutes qui suivent... Mademoiselle, si vous ne voulez pas qu'on traite votre patient, ramenez-le d'ici. J'espère que vous avez eu les papiers qu'il faut. Ils m'ont dit de l'emmener au commissariat pour l'identification avant de me donner n'importe quel document. Oh non, ils ne peuvent pas vous dire ça. À moins que vous n'ayez pas expliqué son cas. Et comme je vous l'avais dit, on ne peut pas le traiter sans ce rapport de police. Madame, voulez-vous que cet homme-là meure? Vous n'avez pas de conscience? Comment pouvez-vous être insensible? Voulez-vous que cet homme-là meure dans vos mains? Il ne peut pas mourir dans mes mains. Et c'est Dieu seul qui sait pourquoi on a voulu le tuer, madame. Alors sans ce rapport de police, je ne peux rien pour vous. Infirmière, veillez à ce que ces gens soient hors d'ici dans les 2 minutes qui suivent.
Comment une personne peut vivre avec un cœur aussi vide? Allez à cet hôpital et donnez-leur cette note, d'accord? Faites vite, le monsieur a perdu beaucoup de sang. Allons-y, dépêchez-vous. J'ai reçu l'accord de mon papa. Voyez, j'ai pris tout mon temps, j'ai pu le convaincre et j'ai réussi. Malgré qu'il y avait ceci à gauche, cela à droite, alors voilà, bam, j'ai atteint mon objectif. Et c'est comme ça que je vais diriger le pays. Vous le verrez bien. Voilà les filles, je vous l'avais dit. Le jeu vient de commencer. Lily? On va jouer le jeu. Écoute, je suis une femme et je sais de quoi je suis capable. Je saurai utiliser mon pouvoir. Vous le verrez bien. C'est clair. Nous, les femmes, avons été créées pour régner sur le monde. Parce que tout ce que nous voulons, nous l'obtenons, qu'il pleuve ou qu'il neige. Madame, est-ce que c'est ici la maison de Rash Johnson? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dieu soit loué. Au fait, Rash Johnson a été attaqué par certains criminels. Quoi? Sinon, ça va. Oui, ça va. Il se trouve dans une clinique en ce moment. Vous pouvez m'amener à cet endroit? Sans problème, si vous le voulez. Rash, on dirait que ça ne va pas. On dirait que tu ne retrouves plus du tout la forme. Ah non, ah non. Mais pourquoi? Maman, tu n'es pas du tout gentil. Je n'arrive pas à te croire. Comment quelqu'un peut me sauver la vie et tu ne lui demandes même pas son numéro de téléphone? Je t'interdis de me parler de cette façon. Sache que tu n'as pas le droit de me juger. Je suis désolé. Mais je crois qu'il fallait au moins lui demander son numéro de téléphone, moi. Elle a eu le courage de sauver ma vie. Elle a sauvé ma vie. Donc si tu avais pris son numéro de téléphone, je l'aurais appelé pour lui remercier pour ce qu'elle a fait pour moi. Écoute, Raj, c'est bon. Je suis très sûr qu'un de ces joueurs reviendra. Tu sais, les gens qui nous sauvent souvent la vie ne disparaissent jamais. Et en plus, elle connaît la maison. Donc, ne t'en fais pas. Excusez-moi. Comment ça va? Oui, Raj, ça va. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Là, je suis fatigué. Je voulais aller me coucher. Oui, voyons, Raj. Mais à une heure pareille, tu ne peux pas être au lit. Viens qu'on se mette un peu dans le chaud. D'accord, bien. Alors, où pourrais-je te retrouver? Où tu viens me chercher? Écoute, prends un zim. Tu me retrouves au festival et on ira ensemble en boîte. D'accord. J'arrive. Alors, à tout à l'heure.
see her. Sierra! Salut Sierra! Salut Rach, je vois que vous allez bien maintenant. Ouais. Et ça me fait plaisir. Je vous cherchais pour vous remercier pour tout. Croyez-moi, j'ai été très touché par votre humanisme. C'est rien, à ma place vous ferez de même. Vous avez disparu comme ça sans laisser de traces. Voyez-vous, je vous ai cherché partout et je suis même allé à l'endroit où l'accident s'est déroulé. Et tout cela en vain. Et pourquoi ça? Voilà, maintenant vous m'avez retrouvé. Oui, vraiment je vous remercie. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes fille de boîte? Non, non, je suis artiste, je chante. Et je ne sais rien d'autre faire que cela. Waouh. D'accord. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui vous paraîtra certainement étrange. Croyez-moi, je suis amoureux de vous. Rach, pourtant vous ne me connaissez même pas. Je sais que je vous connais pas, mais je suis convaincu. Sincèrement, au fond de moi, mon cœur bat pour vous, Sierra. Je suis amoureux de vous. Et j'ai pris mon temps pour le constater, sinon je ne pourrais pas vous le dire. Croyez-moi, je suis vraiment flatté. Avec tous ces mots, on dirait que vous êtes un poète. Sinon, je ne suis pas de votre classe. Je suis orpheline. Je ne suis qu'une pauvre fille. Voyons, ça, c'est pas important. L'amour n'a Dieu pour rien de tout cela. Elle ne connaît pas la classe sociale, ni les barrières, les races. Tout ce qui importe, c'est les sentiments. Et c'est ce que je ressens. Peut-être bien ce que vous dites là est vrai, mais entre nous, vous les jeunes d'aujourd'hui, votre tête ne trotte que pour votre cœur. Oh non, 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 non. Moi, je vous vois autrement. Je vous visualise comme une femme dans ma maison, prenant soin de mes enfants. Ok, 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 ok. Arrête de me frustrer. Ça va, ça va. Sierra, croyez-moi, je suis amoureux de vous. Voilà, c'est ici que j'habite. Ici ou là-bas? Non, ici. Ça, c'est ma petite sœur Debbie. Bonsoir. Salut Debbie. Heureux de faire votre connaissance. Mon nom c'est Raj, Raj Johnson. Heureuse de vous connaître. Là, c'est mon ami Bobby. Salut Bobby. Comment tu vas? Bien. Heureux de faire ta connaissance. Vous ne pouvez quand même pas rester dehors. Raj, je vous invite à l'intérieur.
Salut. Salut. J'ai été attirée par l'odeur de votre parfum, qui est déjà presque répandu partout là. C'est quoi la marque? Merci, c'est du Yves Saint Laurent. Oui. Ah, vous avez du goût. Moi, mon nom c'est Beyoncé. Je suis la fille du président. Je me suis dit que je connaissais ce visage quelque part. Je vous ai déjà vu à la télé. Moi, mon nom c'est Raj. Heureux de faire votre connaissance. C'est un plaisir. J'en suis honoré. S'il vous plaît. Vous êtes vraiment mignon. Et aussi élégant. Merci. Écoutez, si vous le permettez, je voudrais vous payer ça. Oh non, c'est bon, je pourrais m'en sortir. Non, s'il vous plaît, j'insiste. Alors, dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. D'accord, je vous suis reconnaissant. S'il vous plaît, un instant. Ceci, c'est ma carte. Je serai heureuse si vous m'appelez. Et j'espère que vous le ferez. Je vous appellerai. Merci. Il n'y a pas de quoi. James, j'ai oublié mon sac dans la voiture. D'accord, madame. Ici, c'est chez moi. Waouh! C'est vraiment très beau. Ça, c'est un paradis. Dites-moi, tout ça est à vous? Vraiment à vous toute seule? Non, dites-moi que vous blaguez. Non, c'est vraiment à moi. Waouh! C'est impressionnant. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire? Encore? Oh non, vous voulez pas me saouler, non? Ça va, ça va. Permettez-moi de me confesser. Vous savez, vous êtes vraiment mignon. Et je suis sûre que trop de femmes vous tournent autour. Merci pour vos flatteries. Mais sincèrement, je ne sais pas si je suis tel que vous le dites, mais je vis ma vie simplement telle que je la sens. Alors dites-moi, quel est votre genre de fille? J'aime les filles du genre conservatrice, tranquilles, qui ne sortent pas trop, calmes et qui ne parlent pas beaucoup. C'est ce genre de fille. Alors là, on dirait que vous étiez en train de me... Ah non, je ne pense pas que ce soit votre description là. Peut-être une autre fille, hein? Sinon, vous êtes une fille vraiment belle et ambitieuse. Vous avez l'air honnête et aussi bien jalouse. Et ce que j'aime vraiment chez vous, c'est votre intelligence. De l'autre côté, concernant vos idéologies, je ne suis pas très sûr de vos choix, de votre façon d'appréhender les choses. Là, je te remercie. J'aimerais qu'on aille et que je te fasse visiter le reste de la maison. Encore vierge? Oui. Mais je croyais que tu étais une fille de nuit. Ah bon? Donc toutes les filles qui sortent la nuit sont des putes? C'est donc pour ça que tu veux coucher avec moi et me laisser tomber après? Non, au contraire. Et je suis amoureux de toi. Suivant tes dits, tu devais être amoureux d'une fille de nuit? Non, c'est pas cela. En fait,
Pour te dire vrai, je manque de mots. Pour te dire ce qui m'attire en toi, c'est moi. Crois-moi, je t'aime vraiment. En vérité, j'ignore comment cela s'est passé, mais il y a quelque chose au fond de moi qui m'oblige à m'attacher à toi. Pourrais-je... Si tu es sûr de passer le restant de ta vie avec moi, alors fais-le. Et dans le cas contraire, laissons tout tomber. Je te promets, oui, je te promets, que tu seras tout pour moi et que je serai toujours là pour toi. Je te le dis et te le jure que ce sera pour la vie. Crois-moi, Sierra, tu seras ma femme. Pour l'éternité. Je t'aime, Raj. Et je voudrais passer ma vie avec toi. Je t'aime. Ça a été bien préparé. Vous êtes une bonne cuisinière. Merci, Beyoncé. Franchement, de tous les présidents que notre pays a déjà connus, je pense que votre papa fait de son mieux. Merci, maman, d'apprécier ce que fait mon père. Ah, de rien. Écoutez, je suis vraiment désolée, maman, mais là, je dois partir. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir reçu à notre table. De rien. Écoutez, maman, ceci, c'est pour vous. C'est un chèque de 5 000 $. 5 000 $? C'est rien. Mais c'est trop, ça. Et toi, Eva, ça, c'est 1 000 $ pour toi. Prends-le pour te soigner les cheveux, acheter des parfums et toute autre chose. Merci. Waouh. Merci beaucoup, Beyoncé. C'est rien, maman. Là, je dois vous laisser. Écoute, Raj, je t'appelle tout à l'heure. Encore une fois, merci. De rien, maman. Eva. Merci, Beyoncé. Et au revoir. Au revoir, grande fille. Bobby, à tout à l'heure. Au revoir, Beyoncé. J'ai comme l'impression que tu ne te sens pas bien. En fait, c'est que je pense à tout ce que nous vivons ces derniers jours. Et pour te dire la vérité, je suis confus. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. S'il te plaît, dis quelque chose. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. En réalité, je suis confus. C'est tout. Donne-moi un peu de temps pour bien réfléchir. Ta chambre. Waouh. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Juste pour te dire que je t'aime. Moi aussi je t'aime.
Hé, Beyoncé, quelle surprise! Bonsoir, maman. Bonsoir, Bobby. Comment tu vas? Très bien, maman. Alors, princesse, tu es là? Ouais, Bobby, ça bouge? Ouais, ça va. Beyoncé, quelle surprise! Tu ne devais pas être ici. Tu étais allé où? Je suis allé suivre un match avec des amis au stade. Voilà, c'est tout. Comme tu es là, permets-moi de te présenter Ciara. Ciara, voilà, c'est Beyoncé, la fille dont je t'ai toujours parlé, qui est très gentille avec nous. Vas-y, salut-la. Bonsoir. Salut. Ciara, que tu vois là, c'est mon petit cœur. Elle et moi projetons de nous. excusez-nous, nous allons un peu dans ma chambre discuter. À tout à l'heure. S'il te plaît, excuse-moi, Raj. Oui. Est-ce que je peux te voir un moment dehors? Tout de suite? Oui, tout de suite. Ça ne peut pas attendre? Non, ça ne peut pas attendre. Je reviens, maman. Un peu dehors. Ouais. Écoute, Raj, si tu veux savoir, je suis vraiment possessive et très jalouse. Comment tu peux me présenter une autre fille? Pour qui tu me prends, toi? Beyoncé, calme-toi. Tu n'as aucun droit de me parler sur ce ton. Depuis le début, je t'ai toujours expliqué que je ne sentais pas trop notre relation. Sincèrement, crois-moi, tu me déçois. Tu veux me dire que tout le temps que nous avons passé ensemble, c'était juste pour le sexe? Ce n'est pas cela. Donc tu voulais juste t'amuser? Beyoncé, je suis désolé, d'accord? Tout ceci est de ma faute, ça je reconnais. Je n'aurais pas dû te mener en bateau jusque-là. Je suis sincèrement désolé. Tu étais en train de nous écouter? Je vous ai entendu. Oh. Écoute, je suis désolé pour ce que tu viens d'entendre. Je m'apprêtais à tout expliquer. Sincèrement, ce qui est entre cette fille et moi n'est pas du tout ce que tu crois. On se reverra demain. Elle est où? Elle est partie. Je lui ai tout dit. Et elle s'est fâchée. Avant de s'en aller. Ciara aussi était là et elle a tout entendu. Et en plus, avant de partir, elle m'a giflé. On dirait que tu n'as pas honte de ne pas savoir ce que tu veux. Qui te donne le droit de me parler comme ça? De quoi toi tu te mêles même? Toi qui décides de ce que je veux ou bien c'est moi qui décide de mes choix? Bien sûr qu'elle peut décider pour toi. Puisque ton comportement démontre que tu ne sais pas ce que tu veux. Je sais ce que c'est je veux. C'est clair que tu ne sais pas. Moi je sais ce que je veux, maman. Et ce que je veux n'est pas aussi compliqué que ça. C'est ceci que moi je veux. En ce qui te concerne, Eva, c'est la dernière fois que tu te mêles de mes affaires. Essaye encore la prochaine fois de me parler comme ça. Tu sais quoi? À cause de ton égoïsme, tu perdras un de ces jours, crois-moi.
Mais que t'arrive-t-il? Tu as quoi, Beyoncé? Est-ce que tu voudrais qu'on en parle? C'est Raj. Écoutez les filles, j'ai envie d'être seule, d'accord? Tu étais là? Oui, moi je suis là. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Tu vois pas que tu as la chance d'avoir Beyoncé, la fille du président de notre pays? Crois-moi, c'est une occasion pour toi de devenir un homme d'affaires. Profite de l'opportunité que te présente son amour. Rach, je suis ta maman. Toi, tu es mon sang. Tu es l'enfant que j'ai élevé. Je t'ai nourri avec mon sein. Alors, mon fils, crois-moi. Je ne peux vouloir que ton bonheur. Alors je t'en prie, mon enfant, essaie d'écouter mon conseil. Ça ne pourra t'être que bénéfique. Tu ne peux pas comprendre cela maintenant. Je suis consciente de ce que je te dis. Maman, désolée de te décevoir. Tu sais, Sarah est la fille que moi j'aime. Et c'est celle avec qui j'ai envie d'être. C'est la seule que j'aime vraiment. Et je crois que je finirai par l'épouser. Écoute, Raj, ça fait des années que nous sommes amis. Et franchement, il faut que tu m'écoutes. Je crois que Beyoncé est bien pour toi et tu as besoin d'elle pour que ta vie soit bien. Ma vie est déjà bien sans elle, crois-moi. J'ai pas besoin de ses sous. Et je ne serai vraiment heureux qu'avec Ciara, ça je le sais. Moi, je ne sais pas vivre en faisant semblant. Essaye de me comprendre. Écoute, Raj. Dans la vie, on a besoin d'avancer au lieu de stagner. Une fille comme Beyoncé, c'est une chance pour aller de l'avant. Et tu le sais bien. Avec tout l'héritage qu'elle a et l'avenir qui l'attend, je pense que tu ne devrais pas perdre ton temps derrière une fille qui ne pourra rien t'apporter. Ciara n'a rien à t'offrir. Absolument rien à t'offrir. Bobby, tu n'as pas besoin de me dire ça parce que je crois en moi. Je ne peux pas accepter ce que mon esprit refuse. Je suis amoureux de Ciara. Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Raj, essaye d'ouvrir les yeux. Je n'aimerais pas que demain tu te mettes à regretter. Bobby, changeons de sujet. S'il te plaît, oublions tout ça. Et ne revenons plus dessus parce que moi j'aime Ciara. D'accord? Je peux faire mourir dans la pauvreté avec ma Ciara. Que de vivre avec Beyoncé? Moi je refuse de faire semblant à cause de l'argent. Écoute mon gars, c'est un moment où ça va te mordre les doigts que tu comprendras ce que je te dis. Franchement, tu me déçois. Oui, tu me déçois. Tu me déçois vraiment. Je n'ai jamais aimé personne. Comme j'aime Raj. C'est vraiment très fort tout ceci. Au point où ça me donne l'insomnie. Ça suffit. Je pense que tu n'as pas vraiment à t'inquiéter. Raj est mon enfant. Franchement, je suis confuse. Je me demande bien ce qu'il trouve de si spécial chez cette pauvre et laide fille. Et qui sait, peut-être qu'elle lui a donné quelque chose à manger. Elle ressemble bien à quelqu'un qui est capable de tout. Juste parce qu'elle veut sortir de sa pauvreté. S'il vous plaît, est-ce que vous savez où il peut être? J'ai envie de le voir pour lui présenter mes excuses. Je suis vraiment désolée pour ce qui était arrivé. C'était dû à mes émotions. Et là, j'ai beaucoup de regrets.
Ça va. Ne t'en fais pas. À ta place, j'aurais fait pire que cela. Encore que c'était difficile de vivre cette situation. Ça va passer. Bonsoir. Salut. Tu as vu Rach aujourd'hui? Non, maman, et son téléphone est éteint. Je voudrais que tu cesses de voir mon enfant. Tu es le genre de fille qui ne doit pas sortir avec mon fils. Tu ne sais pas qu'il est fiancé? Et sa fiancée n'apprécie plus que tu continues à tourner autour de lui. Je voudrais dès aujourd'hui que tu l'oublies et que tu arrêtes de venir dans cette maison. J'espère que tu m'as entendu. Tu peux partir maintenant. Avec elle, en prenant des décisions fermes. Ça, c'est vrai. Sierra. Sierra, ça va? Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un problème? Je remercie Dieu que tu sois vite revenu. Parce que j'aimerais que tu saches que malgré que je sois orpheline, pauvre et sans rien, je possède encore en moi ma dignité. Je regrette de t'avoir connue. Mais qu'est-ce que ça signifie, Sierra? Écoute, mais viens m'expliquer. Mais Sierra, voyons! Mais qu'est-ce qui se passe? Sierra! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici? Maman! Écoute, Raj, on parlera de ça plus Nous tard. Nous allons parler de ça maintenant. J'ai dit plus tard. J'ai pas la patience d'attendre qu'on en parle plus tard, moi. Je veux savoir pourquoi Cissé s'est enfui comme ça devant moi. Alors expliquez-moi ce qui se passe ici. Raj, assieds-toi, tu as un visiteur. Eva, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui veut recevoir un visiteur? Regarde-moi, ai-je l'air? Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux savoir ce que vous avez fait. Personne ne veut rien dire, c'est ça? Une fois que tu mets tes pieds hors de cette maison, j'espère que tu ne reviendras plus jamais. Maman, tu me fais des menaces? Es-tu en train de me menacer? Toute ma vie, je t'ai toujours respecté et je ne t'ai jamais nui. Aucune fois, je ne t'ai manqué de respect. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, ne me pousse pas à bout. Ne le fais pas. Maurice! Maurice! Ouvre-moi la barrière! Sierra, 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 explique-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que moi j'ai fait?
Dis-moi, Rache, ai-je commis un crime pour que ta maman me déteste à ce point? Elle m'a dit tout à l'heure que tu es fiancée à Beyoncé. Je ne suis pas fiancée à Beyoncé. Et je ne suis fiancée à personne. Et ça, toi-même, tu le sais. Est-ce possible que j'ai eu une autre fiancée alors que c'est toi que je veux épouser? Je trouve cela vraiment bizarre que ce soit ma mère qui puisse te dire ça. Tout ce qu'elle t'a raconté, c'est du mensonge, s'il te plaît, Ciara. Essuie tes larmes. Ciara, je suis désolé. D'accord? Je suis vraiment désolé. Tu m'écoutes? Je suis sincèrement désolé. J'essaierai de savoir pourquoi est-ce qu'elle t'a menti. Je reviens. Rage, Rage, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, Rage, dis-moi, tu as quoi? Maman, pourquoi? Dis-moi pourquoi est-ce que tu as menti à Ciara? Pourquoi tu lui as dit que j'étais fiancé à quelqu'un alors que je ne le suis pas? Pourquoi tu as fait ça? C'est de cette façon-là que tu veux détruire ma relation avec elle? Dis-moi vraiment ce que cette pauvre fille t'a fait. Est-ce que c'est un crime qu'une jeune et belle fille comme Ciara tombe amoureuse de moi? Est-ce que tu peux fermer ta sale bouche? Peut-être qu'elle t'a charmé, mais pas moi. Maman, je suis vraiment très déçu. Oui, je suis vraiment déçu. As-tu au moins une conscience? Bon Dieu, tu devais aimer cette fille-là. Elle vient ici préparer pour toi presque tout le temps. Elle t'aide à faire des cours chaque week-end. Et fait même les travaux que même Eva n'a jamais accepté faire ici. Qu'est-ce que tu as? L'argent, l'argent, l'argent. On dirait que toi, tu ne vois que ça. Rage! Ferme ta bouche, toi. Je n'ai pas sonné ta cloche. Et va voir ton petit copain, Rija, ou quoi tu appelles encore. Et marie-toi avec lui et cesse de détruire les relations que les gens prennent du temps pour construire. Qu'est-ce que c'est même tout ça? Waj. Mon enfant m'insulte, moi, juste à cause de cette fille. Qui doit connaître sa maison? Je connais, maman. Alors, on ira là-bas. Qu'est-ce que ça signifie tout ceci? Pourquoi tu voudrais t'ingérer dans les affaires de ma famille? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, j'ai perdu le respect de mon fils? Et qui se permet de me parler de toi n'importe comment? Là, j'en ai assez. Et je ne voudrais plus te voir tourner autour de mon enfant. Et si tu le fais, alors tu verras de quoi je suis capable. J'espère que j'ai été claire. Oui, maman. Allez, entre. Viens, entre. De quoi tu as peur? J'ai pas envie de me faire des ennuis. Comme tu vois, ma mère n'est pas là. Elle a voyagé. Donc, comme tu vois, tu n'as rien à craindre ici. Mais si, si, entre. Ah! Toi aussi. Sincèrement, je suis pas à l'aise là. Voyons, Ciara. Pourquoi? Je t'ai dit que ma mère a voyagé. Donc, tu n'as rien à craindre ici. Puisque c'est la maison de mon père. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Ici, c'est chez toi. Si, si. Moi, je t'aime.
et on sera toujours ensemble, toi et moi. Donc je ne permettrai jamais que quelqu'un vienne nous perturber. Tu m'as compris? D'accord, si c'est toi qui me le dis. Sûr? Super, là je vais dans ma chambre, je vais prendre quelque chose, d'accord? Tu as besoin de quelque chose? Salut. Comme ça, tu as le courage de revenir ici. Alors, pétasse, qu'est-ce que tu veux exactement? Excuse-moi, mon nom c'est Ciara. Vraiment? Que ce soit même Céline Dion, moi je m'en fous. Mais toi, écoute-moi, je voudrais que tu arrêtes de voir mon frère. Laisse-le tranquille. Écoute, il se trouve que ton grand frère est mon copain. Et je pense que tu devrais t'y adapter. Vraiment? Comme ça, tu n'as pas peur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as giflé? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu te prends même pour qui? Et c'est la dernière fois que je te dis cela. Ah, tu te permets de la défendre. Pourtant, elle avait le culot d'insulter maman à ton absence. Elle ne t'a jamais insulté, toi, ni maman. Je sais quel genre de fille tu es. Pourquoi tu essaies de protéger cet imbécile? Arrête de dire des bêtises, d'accord? Sors même d'ici. Continue comme ça. Je te plains, la soirée, tu la connaîtras. N'est-ce pas toi, Ciara? Oui, bien sûr. Combien voudrais-tu que je te donne pour que tu arrêtes de voir mon copain? Qu'est-ce que vous venez de dire? Tu m'as entendu. Combien voudrais-tu? C'est à toi que je parle, pute! Combien voudrais-tu que je te donne? Ça, c'est 10 000 $. Je voudrais que tu prennes ça et que tu disparaisses de sa vie. Je suis désolée de te décevoir. Ton argent et ton rang ne m'influencent pas. Alors s'il te plaît, bouge ton cul de ma maison. Toi, tu appelles ça une maison? Oh Dieu, un trou à rats comme celui-là? Écoute, sors de chez moi. Mets-toi hors de ma maison. Écoute, petite garce, si tu oses poser tes sales mains sur moi, je t'assure, sans te mentir, que tu vas le regretter amèrement jusqu'à ton dernier souffle. J'espère que tu m'as bien entendu. Je ne suis pas de ton milieu, idiote. Faut que tu sortes de ma maison. Allez, dehors, dehors. Dégage. Sors, je te dis. Il faut que tu restes très loin de mon petit ami. Et si tu essayes à nouveau de le revoir, alors je te le ferai regretter. Pauvre idiote.
Beyoncé! Beyoncé! Je sais que tu es là et m'entends. Beyoncé! Beyoncé! Sors! Beyoncé! Beyoncé! Montre-toi! Pourquoi tu te caches? Je te hais plus que tout. Je te déteste, toi. Tu es une fille sans morale et sans cœur. Je te déteste, Beyoncé, et je regrette de t'avoir connue. Tu crois que tu peux m'acheter? Personne ne peut m'acheter, je te dis. Ce que tu as fait aujourd'hui est ignoble. Je n'accepterai jamais vivre avec un criminel comme toi. Alors sors de ma vie. Voilà les clés de ta voiture. Elle est garée dans ta cour. Et reste loin de ma vie. Je ne voudrais jamais plus te revoir. Raj, tu penses qu'après t'être permis de voir ma nudité et de la consommer, tu peux t'en aller simplement comme ça, comme si de rien n'était? Si ce n'était pas pour l'amour, Raj, c'est que tu as passé tout ce temps à être hypocrite. Tu sais quoi? J'attendrai le temps qu'il faut pour que tu comprennes que je t'ai vraiment aimé. Tu peux partir. Ne me parle pas d'amour, parce que tu ne sais rien concernant l'amour. Tu es une femme sans cœur, donc n'essaie pas de me parler d'amour. Tu m'as causé trop de peine et je mets cela au passé. Maintenant, mon histoire avec toi est terminée. Alors prends tes distances et sors de ma vie. Yara, on dirait que tu es un nouveau gars. Alors dis-moi, à quelle position tu me mets? Désolé, je crois que vous confondez de personnes. En effet. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites? Restez là? Restez en dehors de ça, sinon vous allez regretter. Mais c'est une femme, vous ne devez pas la taper. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est de cette façon-là que toi tu me remercies? En choisissant de sortir avec ce bon rien de bâtard? Et maintenant tu as le courage de me méconnaître moi? Tout simplement parce que tu es à côté de ce vaurien que tu appelles copain. Ah, je te jure, je connais pas ces gens-là. Ah, dites-moi qui vous envoie, Et pourtant, tout le long de notre relation, je ne vous connais pas, monsieur. Tu m'avais jamais dit que tu sortais avec un autre homme. Pourquoi vous faites ça? Maman, Rach est en train de bouger. Dieu soit loué. Rach, est-ce que ça va mieux? Comment tu te sens, mon fils? Ah, ma tête. Ciara. Ciara. Ah, oh, ma tête. Ah, mon enfant, calme-toi.
Elle va bien. Bobby. Où est Ciara? Elle va bien, Raj. Je veux la voir maintenant. Écoute, Raj. Tu peux pas marcher dans cet état. Calme-toi. D'ici peu, tout va aller. Mais Bobby, dis-lui. Eva, s'il te plaît, appelle le docteur. Raj, mais pourquoi tu fais ça? Bonsoir, madame. Vous avez demandé à me voir. Vous avez un problème? Maman, s'il te plaît, je veux voir Ciara. Docteur! Jeune homme, dites-moi, c'est quoi son nom? Son nom, c'est Raj. Salut, Raj. Ciara se porte très bien. Aussi, elle répond très bien au traitement. Je veux simplement la voir. Où est Ciara? Dites-le moi, s'il vous plaît. Bobby. Raj. Dis-moi que Ciara n'est pas morte. Non, elle ne l'est pas. Ciara n'est pas morte. Elle est encore en vie. Alors elle est où? J'ai envie de la voir. Madame. Écoutez, Raj. Je vous amène la rencontrer. Jeune fille, restez la sonnerie pour moi. Vous êtes là. Amenez-moi la chaise roulante. Allez-y doucement, s'il vous plaît, Raj. Madame, mettez-vous un peu à l'écart. Essayez de l'aider, s'il vous plaît. Mais c'est quoi ça? Madame, sincèrement, pour vous dire vrai, je n'ai jamais traité un cas pareil depuis que j'exerce en tant que médecin. Docteur, c'est quoi ça? Elle a reçu sur le visage un dangereux poison, mais nous sommes en train de la traiter. Allons. Nous devons la laisser seule à présent. S'il vous plaît, nous devons repartir d'ici. S'il vous plaît, je peux rester encore ici. Elle doit avoir besoin de moi. Non, Raj. Légalement, je ne devrais pas vous amener ici. Et sérieusement, mon malade est perturbé là. Non, s'il vous plaît, il faut qu'on parte. Laissez-la seule, je vous en prie.